Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Space Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Isaac, j'ai localisé la navette d'Amund. Quoi? Et merde! On a un gros problème. Il manque toutes les données de navigation. Effacées. On devrait pouvoir les reconfigurer. Je cherche des disques de démarrage. J'ai pas d'accès aux portes d'ici, alors il te faut une clé de maintenance. Si tu trouves ces disques, je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche. Oh, la tenue, une autre tenue. Ça va, ça. Je vois pas la bonne place tout de suite. Placez-vous sur la plateforme lumineuse et activez-la. Sautez sur le plus de plateformes possible pour augmenter le multiplicateur. Attrapez ensuite la balle avec votre module macro PK et visez le panier actif avant la fin du temps. Obtenez une récompense pour chaque niveau franchi. Non, ça ne m'intéresse pas. On veut pas de récompenses. Yeah.
Entrée zone sans gravité. Sortie zone sans gravité. Un savant, penche-toi pas. Faut une clé pour ouvrir ça. À voir si on n'aurait pas acheté le niveau 4, qu'on pouvait acheter le niveau 5, André, je me sens loué. Là. Je venais juste de l'acheter en plus. Là. Ouch. Je venais juste de l'acheter en plus, là. Tabarnak. Écrit au génisé des 200 dernières années, vous connaissez sans doute la religion la plus vite répandue dans l'histoire. L'unitologie en grand. Des sommes colossales recrutent des hommes les plus influents, pèsent 78 milliards de dollars en bourse et possèdent deux des plus grandes institutions terrestres. GPSG Finance et Unista Energy, d'un simple culte de la personnalité, l'unitologie est devenue une religion établie et respectée. La plupart des gens connaissent les bases du mouvement. Il y a 200 ans, l'anthropologie Michael Atman prétend que le gouvernement terrestre cache la découverte d'un vestige prouvant l'existence d'une vie extraterrestre dans l'univers. Il l'appelle alors le monolithe. Le gouvernement dément formellement le et tente de faire passer Ritman pour un original. Pourtant, sa théorie fait rapidement plusieurs adeptes et sa mort mystérieuse va renforcer leur croyance. Selon les unitologues, les monolithes sont la clé de la vie éternelle, une renaissance vers le paradis à condition de mourir toutefois. Le gouvernement cacherait le monolithe quelque part en protégeant ses secrets à travers l'espace. Les unitologues louent leur martyr Ant-Man et louant plutôt. Comme dans le verbe louanger, attendent le jour où Dieu viendra leur apporter une nouvelle vie. Rien de grave, apparence, mais il existe quelques zones d'ombre. À commencer par la hiérarchie au sein de l'Église, dont aucun membre ne parle jamais. Il existe au moins trois rangs avant de devenir initié. Chaque rang apporte un lot de révélations et de privilèges. Pour progresser dans la hiérarchie, un seul moyen, verser l'importante somme d'argent à l'Église. Au-delà de ce procédé contestable, l'Église exige également de récupérer les corps de ses membres après leur mort. Dans quel but? Aucun responsable ne veut répondre à cette question. Mais bien des doutes sont permis lorsqu'on en pense au concept de transformation et de renaissance véhiculés par l'Église. Autre rumeur persistante, l'Église financerait un programme de construction spatiale dont certains témoins prétendent avoir vu les résultats. Il s'agirait de vaisseaux funéraires. Détail démesuré, suite, page 94. Bon, est-ce que tu arrives à la page 94, tu m'appelleras.
pensais que j'avais quelque chose à vendre. C'est peut-être aussi, t'es obligé d'acheter la 4 pour avoir la 5. Là. C'est peut-être. Bon, est-ce que je peux aller? Ok, c'est pas là que je peux aller, mais je veux quand même vérifier qu'est-ce qu'il y a. Désespéré. Le docteur Cross avait des croyances, une grande foi. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre, monsieur Pepper? Bien entendu. Ne craignez rien. Vous jouerez votre rôle très bientôt. Soyez le témoin du miracle de foi! Ils sont prêts. Prenez-les. Ils sont à vous. C'est la porte à côté, je dois aller, je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a dans elle. Pas tabarnak, pas ce style d'affaire-là. Mets à terre. Plus de terre. Je suis la tête. La tête. Ça sonne plus comme ça. Je suis la tête.
OK, j'avais plus de stock. Je me fais tuer comme un... Ah, c'est-tu que j'ai ça? Bon, je les tue, Zo, mais quand tu les... Tu les tues, ça... ça donne des problèmes. Ça met plein de ciment, ça, c'ti. Objectif atteint, moi ça me convient. Je dois vous parler. Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer. Tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Faites vite. Tu niaises, toi, là? Il a fait un nid là-bas, oui, tabarnak? Oh, chier, là. OK, ça, c'est la salle de bain. C'est pas la bonne porte. Faut que je passe à côté. Je peux pas passer à côté. Ben oui! Ah,
Bon. J'aurais dû les... Et d'autres manières, tu les ralentis tout, tu veux les écraser avec ton pied, mais tu peux pas te rapprocher de ce marde-là, là-bas. Ça, tout ça parce que j'ai rentré puis je suis sorti de nouveau. Quand j'arrivais, c'était un... Il y en avait qu'un. Quand je suis revenu, il y en avait 12. Il y a eu le temps de créer un mess avant que j'arrive. Là, toutes mes guns sont pratiquement pleins. Ok, il reste 22 minutes avant de shooter. Ça, c'est la porte que je suis posé prendre. Elle est fermée. Qu'est-ce qu'il y a dans elle? Calisse par là, en fait tu te réveilles. D'habitude, je m'en sors tout le temps, là, je me fais prendre.
Je vais commencer à vider mon inventaire. Ah, ok, ouais. Ok, y a rien à faire là-dessus. Il est revenu. Fonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Sauvegarder le niveau, ça ne tente pas si je me fais tuer qu'à chaque fois il y a un monstre qui me saute dans la face. Donc 15 minutes à jouer encore. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Fonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Fonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. J'ai appuyé sur A pour me remplir, esti! Esti de calice! Ok, où faut que je vais? Tout droit, à droite, à gauche. Trouver les cartes de navigation. Quand tu le tues, ce petit gros mess-là, c'est ça qu'il fait. Pour ça, faut pas que tu le tues.
entrée zone sans air. Ah, oh, si, j'ai oublié de placer. Tabarnak. Passe-toi dans des chemins, toi. OK. Non, il y a deux choses qu'il faut que je fasse avant d'y aller là, là. Une chose que je fais. Objectif second, attends. Pourquoi t'es dans mes chemins, toi, grosse baleine? Colisse de tabarnak. Fait que je tombe sur lui. Tu bouges pas, tabarnak. Je sais pas quoi faire, je vais là, je devrais même pas aller là, à part que ramasser la petite clé pis that's it. Ah oui, mange la merde, toi mon esti, gros plein de merde. Thank you.
Non! Est-ce qu'il l'a tué, ce gros plein de marbleau? Qui l'a tué? Après zone sans air. Qui me tire? Pourquoi tu me tires? Quand je t'ai fait, puis tu me tires, toi? Je suis pris dans la porte, tabarnak, à table, esti. Allô, tu. Par rapport là, toi. Sortie zone sans air. J'ai ramassé le plus que je pouvais avec le... Bon. Faut que je remonte en haut de nouveau à cette heure. Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Ah ouais. J'ai-tu une sauvegarde en haut? Ouais, y'en a une sur moi. Ouais, j'en ai un autre. Ok, par là, faut que je sauvegarde dans 5 minutes, pis... Ouais, je viens de sauvegarder, ça fait... C'est à côté. Ce petit cri de mort là pour me faire chier mes culottes. Laisse-moi tranquille. Pas ça, tu non plus, hein? Mon tabarnak. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dead Space, live sur la chaîne du Caribou canadien.
Oh yeah. Oh là. Donc, ça va être ça.